Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique! Hakuna Matata, quels sont fantastiques! Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci. Coucou les loulous, c'est Brenda pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la vidéo d'un challenge auquel je vais participer. Donc c'est le challenge à la conquête des gros pavés qui a été créé par Tribulation Littéraire. Je vous mets sa chaîne en barre d'infos. Il durera du 1er septembre 2015, donc il a déjà commencé, au 31 août 2016. Donc ça va durer un an. Les règles, c'est lire au moins 3 livres de plus de 700 pages, sachant que dedans, par exemple, si on veut mettre une saga, on peut la mettre, même si, enfin, comment dire, je ne sais pas expliquer, on peut mettre une saga. Je prends un exemple banal que j'ai vu sur À la conquête des gros pavés. Par exemple, on peut prendre les 8 dames des filles au chocolat, il faut juste les lire tout d'un coup et que ça doit faire plus de 700 pages. Voilà, c'est la seule règle. Donc les deux règles, je les énumère vite. Il faut minimum 3 livres et de plus de 700 pages et il est ouvert à tout le monde. Vous pouvez même commencer maintenant, je pense, ça ne posera pas de soucis. Je ne veux pas que ça dure 100 ans, donc je vais commencer immédiatement à vous présenter ma palle pour ce challenge. J'ai pas une très très grosse palle, je ne sais pas exactement combien il y a de livres, mais j'ai surtout des sagas des fois, donc voilà, je tiens à préciser que tous les livres que je vais lire pendant le challenge, certains ne sont pas à ma possession, ou encore je vais les acheter plus tard, ou sinon parce que je les emprunterai à la bibliothèque et que je ne l'ai pas encore fait. Donc je vous les présente quand même, mais je ne vous les dis pas. Alors je commence de suite. Alors je vais lire pendant ce challenge les 5 tomes de Percy Jackson. Donc j'ai le premier, Le voleur de foudre en ma possession, de Rick Riordan. J'ai toujours un doute comment se dit son nom de famille. Donc les 5 tomes de Percy Jackson, et je veux dire, je ne sais pas combien ils font en tout, mais en tout cas le premier tome il fait 472, donc si le deuxième tome il fait pareil, voilà, ça va aller très vite et je m'enlanguis vraiment de découvrir cet univers que je veux découvrir depuis un moment. Oh, on pose ça par terre. Après je vais lire le tome 1 du Seigneur des Anneaux, donc La communauté de l'anneau, de J.R.R. Tolkien, qui fait 707 pages, donc il passe juste, hein, juste. Donc je sais pas si je lirai les autres tomes dans l'année, mais bon, en tout cas je mets le tome 1 dans ma palle pour ce challenge. Alors après, ensuite je vais lire les 3 tomes de Divergente, donc de Véronica Roth. Parce que vous savez très bien que ces livres, je veux les lire depuis un moment. Et je ne sais pas combien ils font en tout, mais si on regarde le premier tome, il fait 445, du coup, il doit faire du 1200 à peu près aux 3 tomes. Comme ça, je suis obligée de les lire. Voilà, vous avez compris. Je suis obligée de les lire. Si je les mets dans challenge. Et ouais. Alors, après, je vais lire Harry Potter et les reliques de la mort de J.K. Rowling. Parce que j'avais commencé à le lire, puis j'ai vu qu'il y avait le challenge gros pavé. Je me suis dit, ah non, je le garde pour le challenge. Du coup, voilà, je vais le lire là, dans l'année. En tout cas, de toute manière, je comptais pas attendre 200 ans. Alors, après, je vais lire le cycle 1 du Grimoire au rubis, donc il y a 3 tomes. Oui, le Grimoire au rubis, et oui. Donc le tome 1, le secret... Le tome 1 qui n'a pas de nom,
C'est quoi ce bordel? Mais c'est ce truc avec les hiboux. Le secret des hiboux. Ah, ou quelque chose dans le genre. Oh, mais c'est pas possible. Bertoul et le secret des hiboux. Voilà, donc le tome 1. Le tome 2, le sortilège du chat. Et le tome 3, le chant des loups. Alors je suis trop contente, voilà. Vous allez dire, tu les as déjà lus, tout comme tu nous les as déjà présentés. Enfin, présentés. Je vous en ai tellement parlé que voilà. Mais je les ai déjà lus, mais je voulais les relire. Donc j'ai pensé que c'était une bonne idée de les mettre dans ce challenge. Donc après, je vais vous présenter le même livre, voilà. Je vais lire le cycle 2 du Grimoire au Rubis. Le cycle 2 que je n'ai pas encore emprunté à la bibliothèque. Parce que j'avais pas l'emprunté maintenant alors que je vais pas lire de suite. Donc oui, j'ai oublié de vous dire, ça fait 200... ça fait en tout les 700 pages, hein, j'ai compté. Je ne sais plus exactement combien, mais ça fait 700 pages. Ouais, ça fait 700 pages. Je sais que le cycle 2, il est encore plus gros, donc il doit faire encore plus que le cycle 1. Donc ça marche aussi. Et après, il y a le cycle 3 que je vais lire aussi, qui fait aussi plus de 700 pages aux 3 tomes réunis. Donc c'est bon, c'est du tout cuit pour moi. Je vais pouvoir me relire les 9 tomes et les mettre dans ce challenge. Je suis super contente. Je suis super contente. Voilà, donc par contre, je tiens à préciser que pour le Grimoire au Rubis, je ne lis pas la saga entière, les 9 tomes. Je compte par cycle, parce qu'il y a le cycle 1, tome 1, tome 2, tome 3, le cycle 2, tome 2, tome 2, tome 1, tome 2, tome 3, et le cycle 3, tome 1, tome 2, tome 3, et qu'il existe des intégrales du cycle 1, du cycle 2 et du cycle 3. Donc, sinon j'aurais pris les intégrales. Voilà. Et j'ai oublié un livre. Je viens de penser là d'un coup. Ça fait tilt dans mon cerveau. Brenda, t'as pas oublié un livre? Si. Et je lirai aussi pour ce challenge l'intégrale des chroniques de Narnia. Non, le monde de Narnia, c'est pas les chroniques de Narnia, voilà. De C.S. Lewis. Donc, ça c'est un gros bavé, hein, vous pouvez le dire. C'est une intégrale en même temps. C'est... 868 pages. Ouh, il fait moins qu'Harry Potter 5. Pourtant, il paraît beaucoup plus gros. C'est donc, je vais enfin le lire lui aussi. Quoique, enfin, il me tentait bien. Je comptais les lire histoire par histoire. Donc non, là, je les lirai tous d'un coup. Mais bon, vu comme je sais qu'un livre comme ça, je ne pourrais pas l'apporter au collège. Parce que vous me voyez bien avec ces briques dans le sac, déjà qu'il est lourd. Donc je prendrai des petits livres que je lirai en même temps du coup au collège. Donc j'espère que ça marchera quand même, vu comme les grosses briques, je pourrais pas les emmener. Donc je mettrai longtemps à les lire aussi, parce que je lis beaucoup au collège. Voilà. Alors la présentation est finie. Ce que je vais faire pour ce challenge, pour vous dire, parce que je me suis trompée de côté de la feuille, pour vous dire un peu où j'en suis de mes lectures par rapport au challenge, je ferai une vidéo à la fin du mois, ou si je n'ai rien lu à la fin du mois, comme je pense que ça va le faire pour le mois de septembre, je ferai à la fin de 2 mois et je vous présenterai mes lectures pour le challenge, ce que j'en ai pensé, ou sinon je l'intégrerai au point lecture. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Par contre, le challenge est ouvert à tout le monde. Je vais vous mettre le lien de Tribulation littéraire en barre d'infos du challenge. Allez-y, je veux dire, on a tous des grosses briques à sortir de la palle. Moi, du coup, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça me fait 8 livres. Bon, il y en a certains que c'est des sagas, donc j'ai compté comme si c'était des intégrales. Voilà, donc je suis très contente, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu, même si c'est que pour vous présenter mon challenge, je vous fais de gros bisous, n'oubliez pas de le reprendre, et ciao, à plus.